Hello tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo, donc ce sera pour customiser un bocal en verre avec le vernis classificateur de chez Cléopâtre. Donc voici mon petit bocal. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ce fameux vernis. Donc j'en avais déjà fait deux à l'avance, donc celui-ci c'est thème des mignons, j'ai mis des masking tape dedans, des petits rouleaux de scotch. Donc je sais pas si vous voyez, l'effet ça fait un effet un peu plastique, pardon. Donc ça c'est les petites images que je vais coller sur mon bocal. Donc je vais prendre mon vernis, un pinceau parce qu'il n'y a pas de pinceau avec. Et donc le vernis vous pouvez vous en servir à la base aussi comme colle. Donc si vous avez besoin de coller les étiquettes sur le bocal, vous mettez un peu de vernis en dessous comme ceci. N'hésitez pas à en mettre bien partout. Donc après vous la disposition, faites comme vous voulez, les images c'est celles que vous voulez. Moi j'ai fait ça parce que je suis une grande fan des mignons. Donc voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre quand même un tout petit peu avant de passer le vernis sur l'image que vous venez de coller, vu que le papier est assez mouillé. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez venir du coup étaler le vernis sur les étiquettes que vous venez de coller. Donc moi généralement j'en applique assez généreusement, il faut que ça fasse un effet bien plastique, hein. Faut que ça soit. Vous allez pouvoir y passer plusieurs couches. Donc si vous avez un petit surplus, n'hésitez pas à l'enlever comme ceci. Donc après, une fois que vous avez passé quelques couches, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu 24 heures, je l'ai mis au four, donc à 110 degrés pendant un quart d'heure, et du coup ça va vous ressortir un effet brillant. On dirait que le pot a été acheté comme ça, du coup je trouve que ça fait un rendu plutôt pas mal. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous le laisse regarder la petite fin qui suit. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !